attente de toi, Seigneur, est aussi immense que la mer. Mon attente de toi, Seigneur, est aussi fugace qu'un flocon de neige. Mon attente de toi, Seigneur, est aussi brillante que les trois lumières de la couronne de l'Avent. Mon attente de toi, Seigneur, est parfois aussi longue qu'une nuit d'hiver. Attente avant de toi, attente d'une bénédiction sur moi. La grâce, l'amour et la paix de notre Seigneur sont sur nous, ici et maintenant. C'est une joie de vous accueillir ce matin pour ce culte du troisième de l'Avent. Bienvenue à tous et toutes. Nous avons encore la grâce de célébrer ensemble. Vous savez, les conditions sanitaires nous obligent maintenant à conserver le masque pendant toute la durée de ce culte, même pour les chants. Bienvenue à tous et toutes. Bienvenue à celles et ceux qui nous rejoindront cet après-midi ou un autre moment par Internet. Bienvenue à vous aussi pour ce temps de culte. Et nous nous levons pour chanter « Viens donc au peuple des fidèles », c'est le cantique numéro 20, c'est le psaume 33, cantique numéro 20, « Viens donc au peuple des fidèles ».
Quelle joie de chanter ensemble ces cinq strophes de ce beau psaume 33, psaume de Genève écrit et composé ici. C'est maintenant les mots de Francine Carillo qui nous accueillent. Pas étonnant, dit Dieu, que notre histoire soit tissée de rendez-vous manqués. Vous m'attendez dans la toute-puissance et je vous espère dans la fragilité d'une naissance. Vous me cherchez dans les étoiles du ciel et je vous rencontre dans les visages qui peuplent la terre. Vous me rangez au vestiaire des idées reçues et je viens à vous dans la fraîcheur de la grâce. Vous me voulez comme une réponse, et je me tiens dans le bruissement de vos questions. Vous m'espérez comme un pain, et je creuse en vous la faim. Vous me façonnez à votre image, et je vous surprends dans le dénuement d'un enfant. Mais, dit Dieu, sous le pavé de vos errances, un avant de tendresse se prépare. Et je vous attends comme la nuit attend le jour. Et nous restons assis pour chanter le cantique qui est sur vos feuillets. La ténèbre n'est pas ténèbre, nous le chanterons deux fois. Levons-nous pour recevoir les paroles de grâce. Loué sois-tu, Seigneur, toi qui veilles sur nous, le jour, la nuit, tu es là. Lorsque nous sommes proches de toi, plein de ferveur et de foi, tu veilles sur nous. Lorsque nous sommes loin de toi, oublieux, distraits, séduits par tant de balivernes, tu veilles encore. Apprends-nous à veiller nous aussi. Fais de nous des femmes, des hommes qui veillent comme une lampe qui marque la nuit parce qu'elle annonce l'aurore. Qui crée une goutte de lumière dans un océan de noirceur, qui remplit ces longues heures d'une folle espérance. Oui, le pardon de Dieu est sur nous et nous permet de continuer nos chemins. Ô ma joie et mon espérance, c'est le deuxième cantique sur vos feuillets. Thank you.
Nous écouterons la parole de Dieu dans le livre de Jonas, tout le chapitre 3. Jonas prêche à Ninive. La parole du Seigneur s'adressa une seconde fois à Jonas. « Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et profère contre elle l'oracle que je te communiquerai. » Jonas se leva et partit, mais cette fois pour Ninive, se conformant à la parole du Seigneur. Or, Ninive était devenue une ville excessivement grande, on mettait 3 jours pour la traverser. Jonas avait à peine marché une journée en proférant cet oracle, encore 40 jours et Ninive sera mise sans dessus-dessous. Que déjà ses habitants croyaient en Dieu, ils proclamèrent un jeûne et se revêtirent de sacs des grands jusqu'aux petits. La nouvelle parvint au roi de Ninive, il se leva de son trône, fit glisser sa robe royale, se couvrit d'un sac, s'assit sur de la cendre, proclama l'état d'alerte et fit annoncer dans Ninive. Par décret du roi et de son gouvernement, interdiction est faite aux hommes et aux bêtes, aux gros et aux petits bétails, de goûter à quoi que ce soit. Interdiction est faite de paître et interdiction est faite de boire de l'eau. Hommes et bêtes se couvriront de sacs et ils invoqueront Dieu avec force. Chacun se convertira de son mauvais chemin et de la violence qui reste attachée à ses mains. Qui sait ? Peut-être Dieu se ravisera-t-il, reviendra-t-il sur sa décision et retirera-t-il sa menace ? Ainsi nous ne périrons pas. Dieu vit leur réaction, ils revenaient de leur mauvais chemin. Aussi revint-il sur sa décision de leur faire le mal qu'il avait annoncé. Il ne le fit pas. Amen. Et nous chanterons au cantique numéro 254 toutes les strophes de ce cantique.
Tout ça pour ça. Voilà ce qui me vient à l'esprit à la lecture de ce troisième volet du livre de Jonas. Tout ça pour ça. Finalement, la conversion de Ninive s'avère tellement simple que nous pouvons nous demander pourquoi Jonas a tellement tergiversé avant d'y aller. Rendez-vous compte, en une journée, tout le monde se couvre de sacs, se met de la cendre et célèbre Yahvé. Jonas, quand il le décide, est d'une efficacité redoutable. Alors, avions-nous besoin de toutes ces péripéties, de la fuite du premier chapitre dans le bateau, de la tempête sur la mer, du gros poisson qui avale Jonas, pour en arriver là? Il y a des trajectoires de vie qui se préfèrent en courbe et en lacet plutôt qu'en ligne droite. Et vous savez, il y a surtout ces fantasmes que nous avons sur ce qui nous attend parfois et qui en réalité ne va pas se produire. Cette angoisse d'affronter une situation où nous avions par avance imaginé tous les contretemps, les avanies qui ne manqueraient pas d'arriver. Mais finalement, tout se passe extraordinairement bien, et ce qui nous semblait être un Everest de soucis à surmonter s'avère une autoroute de facilité sans embûches. Rappelez-vous les descriptions de Ninive comme une ville violente où l'on marche sur les cadavres. Et pourtant, il suffit juste d'une parole pour que tout change. L'histoire de Jonas est un appel à l'action, au courage, un appel à la confrontation résolue de la réalité qui s'offre à nous. Jonas doit affronter Ninive. Nous allons affronter Noël. Et peut-être que pour vous, Noël ressemble parfois à une visite à cette ville, Ninive. Noël apparaît comme ambigu sous bien des aspects. Oui, Noël, c'est la fête de la joie. Oui, Noël, c'est la fête de la lumière qui revient. Oui, Noël, c'est la fête des cadeaux. Pourtant, nous le savons parce que nous le constatons en nous et même parfois autour de nous, Noël, l'Avent, sont aussi propices à l'anxiété, à la tristesse. Anxiété de faire tout ce qu'il y a encore à faire. Trouver des cadeaux. Confectionner des repas. Et cette année particulièrement, anxiété de savoir si nous pourrons nous réunir avec ce virus qui n'en finit pas de revenir encore et encore. Anxiété et aussi tristesse, car ces moments de fête ravivent les souvenirs d'anciens Noël avec des êtres chers aujourd'hui disparus. Oui, Noël prend parfois des allures de Ninive. Alors peut-être qu'il est bon d'observer comment ce Jonas affronte son périple à Ninive et finalement le franchit sans trop d'embûches. Mot pour mot,
Ce troisième chapitre du livre de Jonas débute comme le premier. La parole du Seigneur s'adressa une seconde fois à Jonas. « Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et profère contre elle l'oracle que je te communiquerai. » Jonas se leva et partit. Alors si on veut jouer un peu plus finement au jeu des différences d'avec le premier chapitre, il y a en réalité dans ces trois premiers versets deux différences, un manque et un ajout. Il manque fils d'Amittai pour définir Jonas. En effet, le premier chapitre nous dit Jonas, fils d'Amittai, ce qui veut dire fils de la vérité. Et cette mention fils d'Amittai disparaît ici. Dans ce troisième volet de l'histoire, Jonas devient tout simplement Jonas. Il n'a plus besoin de paternité, il n'a plus besoin de qualificatif autre pour le désigner. Car Jonas, le prophète, prend enfin le bon chemin, celui justement de la vérité. L'ajout entre ce premier chapitre et ce troisième chapitre est la précision « seconde fois ». Le Seigneur est patient. Le Seigneur est patient avec Jonas, comme il est patient avec nous. Jonas bénéficie d'une seconde chance. Il a manqué un rendez-vous, mais une seconde chance s'offre à lui. Toujours, le Seigneur Yahvé offre un visage de patience aux récalcitrantes de ce monde. Une seconde chance est toujours possible, et cette fois, c'est la bonne. Jonas se lève et se dirige enfin vers Ninive. Ouf ! Remarquons que c'est la première fois où on va savoir précisément où Jonas se trouve. Jusqu'à présent, il a erré un petit peu dans une indétermination géographique. Au début du livre, il part de nulle part pour fuir à Tarsis. Finalement, il se retrouve nulle part au milieu de la mer où un gros poisson l'avale pour le recracher nulle part. Et de nouveau, il se lève de ce lieu inconnu, de nulle part, pour enfin arriver à Ninive. Que d'errance improbable lorsque nous voulons faire par nous-mêmes et suivre nos propres destinations. Seul Yahvé arrive à donner un cap, une destination. Et pour Jonas, c'est Ninive. Et finalement, tout va se passer très 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 vite, en une journée. La grande ville mesure 3 jours de marche, nous dit-on, mais Jonas ne va pas trop y user ses sandales, puisqu'un jour de marche suffira. Quelle efficacité pour un prophète récalcitrant. Nous ne savons pas exactement ce qu'il a dit aux gens, ce que contient l'annonce de Dieu, sûrement un appel à la repentance et aussi une menace pour la ville. Ninive risque de se retrouver sans dessus-dessous s'il n'y a aucun changement. Les Ninivites n'observeront même pas la quarantaine octroyée par Dieu et se convertiront directement. Puis Jonas disparaît de la narration de ce troisième chapitre. La parole n'a plus besoin de lui. La parole trace maintenant son chemin dans les rues, les avenues, sur les places de Ninive. Elle touche en premier les habitants, les habitantes, des plus petits aux grands, qui font pénitence par le vide intérieur du jeûne. C'est la parole sur la ville. Elle se propage jusqu'au roi, jusqu'aux grands de la cité qui, eux aussi, renoncent à leurs habits de fête
pour revêtir des sacs, et comme Job, le roi finira assis sur un tas de cendres. Derrière toutes ces péripéties, le livre de Jonas parle en réalité de la confrontation de la création avec la parole de Dieu. Toute la création est touchée. Et le livre de Jonas décrit comment cette parole sauve du chaos partout où elle circule. Les pérégrinations de l'endormi dans la cale du bateau font que des marins, un chef de navire païen, reconnaissent la puissance de cette parole. Même les antiques sorts se soumettent au vouloir de cette parole. Dans la fuite du prophète rebelle, la parole calme le vent, la mer. Un poisson mythique avale cette parole et la recrache sur la berge. De l'hippocampe aux petits poissons argentés qui sont juste venus sous cette chair, tout le monde, toute la création reçoit cette parole. Et puis la parole de Dieu continue son chemin pour convertir la grande ville en n'oubliant personne, de l'humble moineau au roi de la grande ville, et la création se met en mouvement à l'écho de cette parole. Voilà l'histoire de Jonas, l'histoire d'un homme ordinaire qui, dans son activité et son inactivité, va être un maillon de la transmission de cette parole de vie malgré lui. Je ne sais pas si c'est un bien ou un mal, mais notre société actuelle fait grand cas et porte en exergue toutes sortes de guides spirituels, d'ermites, de soi-disant plus proches de Dieu que le commun des mortels, qui vous racontent avec force qualificatif une marche dans le désert, leur journée de privation ou leur proximité avec Dieu. Portés en paradigme inatteignable, ces prophètes starisés rendent l'accès à Dieu aussi escarpé et aride que les sentiers qu'ils parcourent. Peut-être qu'une fois que le lave-vaisselle sera débarrassé, que les devoirs des enfants seront finis, que les dossiers ramenés du bureau seront fermés, j'aurai aussi le loisir d'une courte marche spirituelle dans le parc voisin. Chacun son combat. Ce livre de Jonas est un encouragement à tous les Jonas, toutes les colombes de notre temps qui font leur part, femmes et hommes du quotidien. À tous les Jonas et à toutes les colombes de notre temps, dont personne ne fera grand cas dans les panthéons des villes, cette histoire redit l'importance de toute action ou toute parole créatrice de vie. À toutes les colombes, à tous les Jonas anonymes, maillons dans leur renoncement, leur fuite et leur prise de parole, maillons de la propagation de cette parole de vie, l'histoire de Jonas replace leur importance aux yeux de Dieu. À tous les Jonas, à toutes les colombes, cet ancien livre biblique annonce que l'attente de cette parole de Dieu n'est jamais vaine, pour peu qu'on accepte par moments de tendre l'oreille, de tendre notre cœur, notre corps vers cette parole, entendre qu'un Dieu en définitive se rapproche toujours de nous dans les menaces qui semblent être devant nous. C'est avant et pour nous, Jonas, colombe de notre temps. Amen.
Merci ce matin à toutes celles et ceux qui ont participé à ce culte. Merci à Pascal pour les lectures, à Jean-Claude, Jean-Pascal, Liliane et Colette pour l'accueil et la scène. Merci à K.O. qui réalise et filme pour notre vidéo qui sera mise en ligne cet après-midi, vidéo du culte. Merci à Vincent à l'orgue. Quelques annonces pour la semaine qui vient. Demain soir, 13 décembre, de 19 à 20h à la chapelle Saint-Léger, l'office du soir. Mercredi 15 décembre, à 15h30, la parole des théopopètes, juste à côté, à l'auditoire de Calvin. C'est pour les enfants, c'est toujours une grâce aussi d'avoir des enfants au culte et de les entendre courir, gazouiller pendant notre office. Jeudi 16 décembre, office du milieu du jour à la chapelle des Maccabées à 12h30. Samedi 18 à 10h, Bible aventure pour les mômes à l'auditoire Calvin. Et suspense, dimanche prochain à 10h, quatrième dimanche de l'Avent et dernier volet de notre livre de Jonas. Comment Jonas va-t-il réagir à la conversion des gens de Ninive? Ce sera avec Sandrine ici dimanche prochain. Peut-être ce soir, après avoir cassé la marmite de l'escalade, vous vous direz quoi faire. Alors Vincent, notre organiste, nous invite au dernier Chantons Noël. Chantons Noël, il y a deux séances cet après-midi, deux concerts à 15h30 et 18h à l'église de Bernay. C'est maintenant le temps de l'offrande et pendant l'offrande, nous chanterons « Ô viens bientôt Emmanuel ». Seigneur, notre Dieu et notre Père, quelle joie de t'adorer partout et à tout moment. Quelle joie de te dire merci pour Jésus-Christ, ton Fils. Sa venue dans le monde a fait lever l'aube d'un règne d'amour. Humain parmi les humains, vivant jusqu'au bout ton pardon et ta paix, il nous a fait découvrir
notre véritable humanité. Condamné au supplice de la croix, il s'est dépouillé de tout pouvoir, de tout prestige, pour nous rendre libres. Ressuscité, il est le messager d'un monde nouveau, d'où toute oppression, toute larme et tout mal disparaîtront. C'est pourquoi, avec celles et ceux qui ont vécu et proclamé cette espérance pendant tant de siècles, avec ton peuple assemblé ici et partout, nous célébrons ton nom et nous te chantons Saint, 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 c'est le numéro 129. Le soir venu, Jésus se mit à table avec les 12. Pendant le repas, il prit du pain. Il prit du pain et le leur donna en disant : Prenez, mangez, ceci est mon corps. Ayant aussi pris la coupe, et rendu grâce, il la leur donna en disant « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'Alliance qui est répandu pour la multitude, pour le pardon des péchés. Je vous le dis, désormais je ne boirai plus de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où je le boirai à nouveau dans le royaume de mon Père. » Ensemble, prions. Père, au moment de nous approcher de cette table, nous faisons mémoire des paroles et des gestes de Jésus-Christ, de sa mort et de sa résurrection, et nous attendons son retour. Nous recevons de toi ce pain de vie destiné à la nourriture du monde. Nous recevons la coupe d'alliance que tu offres pour la joie du monde. Tu nous rassembles et nous invites. Par ton esprit, renouvelle notre foi, afin que ce pain et ce vin soient les signes de la présence de ton Fils parmi nous. Et comme Jésus l'a enseigné à ses disciples, nous te disons : Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Voici le repas que nos mains ont préparé. Voici la table que nous avons dressée. Mais c'est le Seigneur qui nous y accueille. Nous sommes tous et toutes invités à partager
et à recevoir ce pain de vie, l'unique condition est de reconnaître Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur de nos vies. Le pain que nous rompons est communion au corps de notre Seigneur Jésus-Christ. La coupe de bénédiction pour laquelle nous rendons grâce et communion au sang de notre Seigneur Jésus-Christ versé pour nous. J'invite les conseillers à me rejoindre et je vous invite à arriver par le fond en défilé pour prendre, si vous le désirez, le pain et le vin à cette table. Il y a du jus de fruits, ce sont les verres avec du liquide rougé, et dans les verres avec du vin, c'est du vin et il est blanc. Venez, tout est prêt. Thank you.
Nous te remercions, ô Père, pour ce pain et ce vin, nourriture de notre corps et de notre foi. Nous te remercions pour ta parole sur cette grande ville de Genève. Nous te remercions pour ta parole sur ta création qui nous fortifie, qui nous guide et qui nous conduit. Amen. Nous nous levons pour chanter « Demeure par ta grâce ». C'est le numéro 145, « Demeure par ta grâce », numéro 145. Au creux de nos vies, le Seigneur dépose l'espérance. Dans le creux de nos mains, le Seigneur dépose son amour. Au fond de nos yeux, le Seigneur dépose sa paix. Rien ne peut nous séparer de l'amour que Dieu manifeste en Jésus, son Fils, qui vient. La grâce, la paix de notre Seigneur nous accompagne. Amen.